Salut tout le monde, bienvenue dans le Sims Festival. Nous retrouvons le mage Gilles qui va devoir récupérer quelque chose dans la fosse du jugement. Il va devoir récupérer les haricots magiques que lui a vendus Margilly la douteuse. Voilà. Bon bah. On va pas traîner, hein. Vas-y Gilles, lance-toi. Après tout, tu es un mage, un puissant mage. Que puisse-t-il bien t'arriver? Vas-y. J'imagine. Alors, wow. La bête rugit férocement et happa Gilles le mage dans ses mâchoires immondes. Oups. Gilles martela furieusement le palais de la gueule du monstre, et celui-ci finit par le recracher par terre. Mais en quelques secondes, la bête était de nouveau sur Gilles, bien décidée à le déchirer de ses crocs acérés. Rouler à gauche ou rouler à droite? Rouler? Ouais, bah. Qu'est-ce qu'on s'en fiche du côté, tu l'évites, c'est tout. Au hasard à droite. Qu'est-ce qui se passe? La tentative fut vaine. Attendez, qu'est-ce qui se passe en fait? Gilles le mage était aux abois, sous une mince. Non, je vais peut-être lire d'abord. D'abord le petit truc à droite là. La tentative fut vaine. La créature frappa violemment Gilles le mage sur le flanc, l'envoyant percuter la paroi de la fosse telle une poupée de chiffon. Soudain, Gilles aperçut l'éclat d'un objet brillant non loin de lui. C'était une lame d'épée, brisée à la garde et fichée dans le mur. Tout en évitant un nouveau balayage du monstre, il dégagea la lame de la roche à l'aide d'une pierre. En s'emparant de l'objet, Gilles sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il dissimula rapidement sa trouvaille, se disant qu'il l'identifierait plus tard, si toutefois il survivait à l'affrontement. Alors Gilles le mage était aux abois, sous une mince saillie rocheuse à portée des mâchoires craquantes de la bête. Elle fonçait, prête à consommer sa proie prise au piège. Combattre ou courir s'abriter? Je suis d'avis de courir s'abriter, oui. Gilles le mage apercevait un renfoncement beaucoup plus profond à seulement quelques pas sur la gauche. En courant dans sa direction, il était peut-être possible de l'atteindre avant que la bête ne puisse réagir. Cours, Gilles, cours! Cours! Survie, Gilles, s'il te plaît. Survie. Hein? Des cœurs? Qu'est-ce qui se passe là-dessous? Attendez, madame. Gilles le mage lança une pierre pour détourner l'attention du monstre, puis se rua vers le renfoncement. Il se jeta dedans, s'empalant presque sur un morceau de métal tranchant planté dans le sable. En tirant dessus, il dégagea une épée d'un noir d'ébène dont la lame était cassée. Encore? Se sentant investi d'une nouvelle énergie, Gilles sortit de son abri provisoire en brandissant l'arme brisée. Au moment où le monstre approcha, il le frappa d'un grand coup. La lame sombre entailla la chair maudite de la bête. Il recula avec méfiance. Qui recula avec méfiance? Le combat pouvait reprendre. Et on vient de terminer. Saut de foi. 5 points de réussite. Waouh. Hey hey. Cool, enfin j'imagine. Pourquoi il y a des cœurs alors qu'ils sont en train de se battre? C'est peut-être l'amour du combat qui les consume. Mais il se livre nul sans relâche. Gilles? T'es toujours vivant? Dis-moi tout. Gilles! Gilles! Le mage Gilles va-t-il ressortir de la fosse du jugement? Nous avons eu le récit de son affrontement épique. J'entends des bruits. Que se passe-t-il? Le silence à peine brisé par les grondements de la bête. Des bruits de pierre. Que se passe-t-il? Oh, tu es là! Le voilà! Il a réussi! Gilles le mage a survécu à son affrontement face à la bête du jugement. Formidable, Gilles. Ce fut héroïque! J'ai l'offrande demandée. Je dois juste la jeter au fond du puits. Gilles, tu es un véritable héros. Tout le monde acclamait Gilles. Il le mérite.
On va récolter quelques ingrédients pour les futurs breuvages. Waouh. Formidable. Ensuite, tu feras ton offrande à la fontaine. On va se calmer un petit peu. Voilà. Gilles ressort d'un combat épuisant, même s'il est très en confiance grâce à sa victoire, mais il a été sauvé in extremis, hein. Il s'en est fallu de peu. Heureusement, la chance était de mon côté. Applaudissons Gilles le mage. Et cette quête devrait être bientôt terminée, j'imagine. En tout cas, je le souhaite. Elle fut longue, mais très intéressante. Au moins, on n'a pas été inactif trop longtemps dans cette quête. Alors, l'offrande. Voilà, les graines magiques. Gilles le mage lâcha l'offrande dans le puits. Un soudain éclat de lumière dorée illumina momentanément les sombres profondeurs humides. Votre offrande est acceptable. Votre prochaine épreuve est cruciale. Revenez me voir avec la preuve que vous avez un point faible, et vous vous rapprocherez encore de la perfection. Ainsi soit-il. Donc il faut prouver qu'il est bête. Le moyen le plus rapide de m'embrouiller l'esprit est d'envisager de lire des mots. Il faut qu'il lise. Ok. Donc retour à la tour et bah on va lire. D'accord. Et donc là c'est assez intéressant parce que là pour le coup ça exploite le point faible de notre sim. Mais du coup le choix du point faible qu'on fait pour notre sim a une influence sur ce qu'il va falloir faire pour lui embrouiller l'esprit. Et ça c'est quand même pas mal. Pensez à lire. Envisager, d'accord. Envisager de lire des mots. Il faut pas les lire, il faut juste penser. Ben, pourtant, il essaie de lire. Bon, on va voir ce que ça donne. Que se passe-t-il? Il est embrouillé, parfait. Bon, il a faim, je sais. Il a même un peu trop faim maintenant. Qu'est-ce qui se passe? La caméra n'a pas suivi. Voilà. Waouh. D'accord. par contre, j'espère qu'il ne faut pas être nécessairement concentré. Retourner à la fontaine. Parfait. Alors c'est bizarre parce que la jauge de concentration est neutre. Donc allons-y. Retournons à la fontaine. Gilles le mage était trop distrait pour découvrir un chemin menant à la célèbre fontaine de légende. Ah ah, formidable. Retourner à la fontaine pour la dernière épreuve. Bon bah vas-y. Et c'est encore. Ah, est-ce que ça a à voir avec le fait qu'il soit peu concentré? Bon. Jeter le sort voleur d'âme. Wouah! Bon. Ah oui, il a vraiment très faim. Pour parler de façon familière, il crève la dalle. Mange un pain. Enfin, un vrai pain, pas pas un coup de poing. On va pas le frapper, ce pauvre Gilles. Il a déjà survécu à un combat épique dans la fosse du jugement. Une aventure qui ne restera pas inconnue. Une aventure qui s'inscrira dans la légende. Une aventure qui immortalisera le mage Gilles. Bon, dépêche-toi de faire ton grog, s'il te plaît. Allez, boum. Un petit grog. Ta-da-dam. Livraison du grog. Et... Bah attendez, bah du coup il va peut-être pouvoir jeter son sort. Ah d'accord, c'est elle. Quoi? Mon grog est un peu trop fort. Bah, ça n'a pas d'importance. J'ai mes 75 simflouz. Et le grog est entre les mains de la cliente. C'est une cliente? C'est une cliente. Douce la servante. Oh. Est-ce que j'ai voleur d'âme? Oui. On va voir. Est-ce qu'on peut lui rendre son âme après? Peut-être pas, mais c'est pas grave. Pourquoi il veut le faire d'ailleurs?
Ah, d'accord, il veut purifier un esprit égaré. Ah, c'est bien, c'est bien. Ça marche. Ça marche. Il est temps, mon ami, de méditer. Et parce que t'es vraiment très fatigué, médite. Écartez-vous, douce. Le mage se concentre. Dans son jardin, près de sa fontaine. C'est bon, tu dormiras. Ouais, tu vas plus dormir après. Enfin, tu vas plus dormir, tu vas plus méditer après. Prendre, histoire de se fatiguer un petit peu, juste avant de retourner dans la forêt. Et ah non, il est pas embrouillé. Attends, hop, j'ai failli me planter grave. Il faut être embrouillé. Enfin, avoir l'esprit embrouillé. Voilà, donc on ferme tout ça. On ferme tout ça, j'ai dit. Boum, boum, boum. Non, c'est pas là. Pensez à lire. C'est génial. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait la caméra? Et ensuite... forêt. Waouh! On a tout survolé, c'est formidable. Oh bah c'est bon, il y a l'esprit embrouillé. Parfait. Allez, go! Pendant un instant, il est parti dans la direction opposée. Il est vraiment embrouillé. Alors, dans son esprit, Gilles le mage entendit une voix. La fontaine lui dit « Réponds correctement à ma dernière énigme et prouve tes connaissances. Plus je deviens grand, moins je le deviens. Ma valeur est le processus et pas dans ma somme. Que suis-je? La vie, plus le temps passait et moins il en restait. La vie se mesurait par les actes du passé plutôt que par sa fin ou la connaissance. On disait que plus on en apprend, moins on en sait. Le véritable intérêt de la connaissance était dans son apprentissage plutôt que dans la quantité acquise. Alors, plus je deviens grand, moins je le deviens. Ma valeur est le processus et pas dans ma somme. Plus on en apprend, moins on en sait. Le véritable intérêt de la connaissance était son apprentissage plutôt que dans la quantité acquise. Cette dernière partie là sur la connaissance colle bien avec ma valeur et le processus et pas dans ma somme. La vie, pourquoi est-ce que ça collerait? Ça colle avec la première partie. Et du coup c'est très bizarre parce que plus le temps passe et moins il en reste évidemment de la vie. Plus je deviens grand, moins je le deviens. Je vais plutôt pencher sur la connaissance. Mais c'est vrai qu'ils ont bien fait les choses. Parce que ça pourrait très bien être la vie aussi. La vie se mesurait par les actes du passé plutôt que par sa fin. Ah oui d'accord, ça colle aussi. Alors du coup, je vais plutôt répondre la vie parce que ça colle avec le début. Enfin, ça, oui, ça colle vraiment avec tout. Alors que la connaissance, on disait que plus on en apprend, moins on en sait. Ça fait un peu... Ça colle pas, ça colle moins bien que pour la vie, donc je vais répondre la vie. Ta réponse est « Ah non, ma première intuition était la bonne !» Mauvaise. Subitement, Gilles le mage se retrouva dans le noir complet. Il eut l'impression de chuter et le hurlement d'une terrible tempête emplissait sa tête. Gilles le mage se réveilla aux abords de Recornoria. Il avait l'impression d'avoir fait un mauvais rêve, mais il n'arrivait pas vraiment à s'en souvenir. Ah, bigre! Ah, j'ai échoué. Ah, et la quête va se terminer là, j'imagine. Parce qu'il n'y a plus rien là. Donc, c'est terminé. Quête réussie. Gilles le mage, un sim imparfait, s'embarqua dans un royaume mental difficile afin d'essayer de surmonter ses bas instincts et de mener une vie vertueuse. Lorsque la fontaine de légende lui confia une série d'épreuves personnelles, Lorsque la fontaine de légende lui confia une série d'épreuves personnelles, Gilles
persévéra dans sa lutte contre l'adversité et s'améliora en relevant le défi mystique. Il est maintenant niveau 6 de la profession sorcier. Et donc, le pouvoir d'un sorcier provient des compétences particulières qu'il a obtenues à sa naissance. Mais le niveau qu'atteindra sa puissance est déterminé par sa motivation pour étudier les arts ésotériques. Oui, j'ai déjà eu ça. Mais, nouveau sort disponible, guérir, musique fantomatique, télépathie, terreur et miasme. Oh. Nouveau bâton disponible à la forge. Ah, il faudra que je construise une forge pour le prochain épisode, au moins, peut-être. Oui, ou plus. On verra. Ah, j'ai échoué. Oh, quelle déception, tout ce chemin pour en arriver là. Bon, on a... Ouais, j'ai encore un petit peu de temps pour commencer une quête, juste pour commencer. Juste pour voir le début, on va pas trop l'entamer. Comme ça, on sera pas tenté d'aller plus loin. Mais rassurez-vous, on avancera quand même le plus vite possible. On va donc à l'auberge pour jouer avec Kev le Troubadour. Ouais, c'est moi. Je suis un troubadour. Alors par contre, il faut choisir une quête. Ah, mais quelle déception, quoi! J'aurais pas dû trop réfléchir. J'aurais pas dû réfléchir plus longtemps. En fin de compte, la deuxième partie de l'énigme... Enfin, le... Ouais. Désigner plus le savoir, c'est vrai. Le processus. C'est ça qui m'a mis les puces à l'oreille, mais... Je l'ai tout de suite oublié. Le processus. Le processus d'apprentissage. Ça, c'est... Évident. Vous avez dû me hurler dessus quand j'ai dit « Oh, la vie !» Bon, c'est pas grave. Gilles a dû faire face à des épreuves. Mais, oh, quelle déception quand même! Ah. Vraiment dommage. Alors, journée de bric-à-brac, ça m'intrigue ça. Alors, ah, ça c'est pour tout le monde j'imagine. Sortie jacobène, oui ça c'est plutôt pour un prêtre. Alors, la souveraine de Ricordoria eut soudainement envie d'un nouveau jour férié, et c'est ainsi que naquit la journée bric-à-brac. Il s'agissait d'une grande chasse au trésor annuel, dont la première édition devait commencer le jour même. Tous les habitants étaient invités à participer. Qui serait couronné meilleur chercheur de la journée? Chercheur-trouveur. Alors, héros principal, forgeron, médecin, espion ou sorcier. Super, pas de barde. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de quête pour le barde. Défi du pêcheur peut-être. Le défi de pêche de Ricordoria venait de commencer. Il était ouvert à tous les sujets, mais peu avaient le talent et l'expérience nécessaires pour battre les pêcheurs les plus chevronnés du royaume. Qui remporterait ce défi? N'importe quel héros. Donc d'accord, le barde va aller pêcher. Parce qu'en plus, le spectacle de magie... J'imagine que c'est pour le sorcier, naturellement. Du coup, ça peut être intéressant, ça, vu que c'est que pour le sorcier. Ouais. Et puis ça, c'est que pour un prêtre, hein. Et voilà. Prêtre jacobin ou n'importe quel jacobin, oui, d'accord. Ok. Bon, bah, défi du pêcheur pour le... pour le barde. Kev le troubadour. Roi des pêcheurs. Ouais, ça donne envie. Bien. Je pourrais gagner. L'inscription était ouverte à toute personne aimant la pêche et les concours. Ou à toute personne qui n'avait absolument rien d'autre à faire. N'est-ce pas, Kev le troubadour? Vera, la conseillère royale, avait annoncé l'ouverture du concours de pêche annuel de Ricordoria. Tout le monde pouvait participer. Vera, la conseillère royale, répondrait à toutes les questions. Me voici donc dans l'auberge en compagnie de Vitold, le serveur. Oh, Yvonnet, notre ami Yvonnet, un ami politique... de la souveraine Steph. Bien, nous allons commencer au prochain épisode une nouvelle quête. Bon, c'est la seule qui était disponible, mais bon, une quête avec donc moi, Kev le Troubadour, votre barde, votre humble barde, qui va donc participer à un concours de pêche. Donc pour l'instant, je ne chanterai pas. Il faut que je me prépare. Je ne dois pas décevoir mon public. Bien, on se retrouve très bientôt sur les Sims médiévales pour ce concours de pêche. Salut tout le monde et à la prochaine. J'imagine le fil de pêche accroché au bout de du luth. Ce serait drôle.